Bonjour à tous, c'est CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre aventure sur Solving Mobile. La fois dernière, nous avons fait donc les puzzles 131 à 140, donc nous allons aborder maintenant les puzzles 141 à 150. C'est parti donc pour le puzzle 141. Puzzle 141. Donc ici, nous avons 36. Donc rééquilibre des balances. 18, 18. 9, 9, 9. 9. Un cercle va valoir 3, car 3 cercles valent 9. Et ensuite, il va falloir résoudre un système d'équations. On pose x, la valeur du trapèze, y, la valeur du cœur, et z, la valeur de la lune. Donc, première équation, ici, x plus y est égal à 6. Y plus Z égale à 9. Et 2Z plus X, 2Z plus X est égal à 9. Donc ici, X plus Y égale à 6. Ici, Y plus Z égale à 9. Donc, si on fait ça moins ça, on nous trouve donc x moins x, 0, moins y, plus 2z, égale à donc 9 moins 6, 3. X plus y, égale à 6. Y plus z, égale à 9. Donc ici, on va faire ça plus ça. Donc 0, 3z égale à 12, 3 plus 9, 12, donc 2z plus z, 3z, 9 plus 3, 12, 3z égale à 12, donc 3z égale à 12, z égale à 4, z égale à 4, y égale à 9 moins 4, 5, et x égale à 1. Donc on vérifie, 1 plus 5, 6, ensuite, 5 plus 4, 9. Et là, 2 fois 4, 8, plus 1, 9. Donc, la lune, c'est Z, donc 4. Le trapèze, X, 1. Et le cœur, 5. Voilà pour le puzzle 141. 142. On va rééquilibrer les balances. 16, 16, 15 et 15. Donc on sait que 3 triangles valent 15, donc un triangle va valoir 5. Donc 16 moins 5, 11, donc le carré va valoir 11. Ici, nous avons 22, 22. Ici, on a deux symboles triangle, donc 22 moins 10, 12. Donc un cœur va valoir 12. Et ensuite, 11 et 5, 16, donc le losange va valoir moins 1, moins 1. Donc, voici la solution, donc triangle 5, carré 11, cœur 12, et losange moins 1. Puzzle 143, donc on va rééquilibrer les balances, donc 144 moins, donc 144 divisé par 2, 72. 72. 72 divisé par 2, 36. 36. 36 divisé par 2, 18. Et 18. On sait que 2 gouttes valent 18, donc une goutte va valoir 9. Donc ici, 3 gouttes valent 27. 72 moins 27, c'est égal à donc 12 moins 7, 5. 7 moins 3, 4. 45. Donc 3 carrés valent 45, 1 carré vaut 15. Et ici, donc 15, 18 moins 15, 3, donc un losange va valoir 3. Et bien entendu, ici, on peut vérifier, hein, 3 plus 3, 6, plus 9, 15, 15 plus 15, 30, plus
6, 36. Donc, puzzle 143, validé. 144. Et on va noter x, la valeur de la lune, y, la valeur du carré, et z, la valeur du losange. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? En fait, on connaît que x égale à 2y plus 2z. 2y plus 2z. On sait que y plus z égale à, donc ici on a moins 8 plus y plus 2x plus z. Et ici, on va prendre plutôt celui-là. On sait que donc x plus z est égal à y moins 4. Alors, on va pouvoir peut-être simplifier. Ici, y, z, z. On sait que 2x, donc 2x est égal à 8. Donc x égale à 4. X égale à 4. Donc 4 égale à 2y plus z. Et x plus, alors pas x, mais plutôt 4 plus z est égal à y moins 4. Donc 8 égale à y moins z. Et là, on a 2 égale à x, y plus z. Donc, y égale à 2 moins z, 8, 2 moins z moins z. Donc, y égale à 2 moins z. Et donc, 8 moins 2, 6. Moins 2z. Donc, z c'est moins 3. Et y égale à 5. Voilà pour le puzzle 144. Puzzle 145, si on veut traduire ça par une équation, il faut qu'à la fois que 4x est égal à x et que 3x est égal à 5x. Bon, ça c'est possible quand x est égal à 0. X égale à 0. Donc le cœur va valoir 0. Puzzle 146. Donc on va rééquilibrer les balances. 54, 54, 27. 27, 27 et 27. Donc un hexagone va valoir 9. Donc on note x, la valeur du losange, y, la valeur du triangle et z, la valeur de la lune. On a donc 2x plus y égale à 27. 2x plus y égale à 27. Nous avons x plus z égale à 27. Et y plus z est égal à 27 moins 9, donc y plus z est égal à 18. On va multiplier par 2 la deuxième ligne. 2x plus y égale à 27. Ensuite, 2x plus 2z est égal à 54. Ici, on a y plus z égale à 18. Alors, L2 moins L1. Ici, 2x moins 2x, ça disparaît. 2z, on va recopier quand même la première ligne. 2z moins y, 2z moins y égale à 54 moins 27, donc 27.
Et y plus z égale à 18. Donc ensuite, on fait L3 plus L2, y moins y, 0, donc on a 3z, égale à 27 plus 18, donc 27 plus 18, 45, 2z moins y égale à 27, et 2x plus y égale à 27. 3z égale 45, z égale à 15. Ici on a 2z moins y, donc 2 fois z, 15. Donc 2 fois 15, 30. 30 moins y égale à 27. Donc y va valoir 3. Et on sait qu'ici c'est 3. Donc 2x égale à 24. Donc 27 moins 4, x égale à 12. Donc losange 12, triangle 3 et lune 15. Voilà pour le puzzle 146. 147. Donc ici 15, 15. On aura 15 demi. 15 demi. Donc, alors, on va noter x, la valeur du carré, et y, la valeur du losange. Donc on sait que 2x est égal à 2y. Donc x est égal à y. X est égal à y. Et on sait que 3x plus 2y égale à 15. Donc 5x égale à 15. X égale à 3. Donc x égale à 3. Et le losange va valoir 3. Donc 2 losanges valent 6. Donc 15 demi moins 6 est égal à 3 demi. Or, 3 gouttes valent 3 demi. Donc une goutte va valoir 1 demi. Donc une goutte va valoir 1 demi. Ici on a 1 demi. Donc 15 demi moins 1 demi, 7. 7 moins 3, 4. Donc le cœur va valoir 4. Voilà pour le puzzle 147. Bien alors, puzzle 148. Puzzle 148. Alors, on va rééquilibrer d'abord les balances. Donc ici nous avons 23, 23, 24 et 24. Alors ici on sait que 2 carré est égal à 2 carré est égal à un cœur plus un triangle. Donc ici on peut remplacer les deux carrés par un cœur et un triangle. Donc ici on a, si on note x la valeur du cœur, y la valeur du triangle, nous avons donc 3x plus 3y égale à 24. 3x plus 3y égale à 24. Et nous avons 4x plus y égale à 23. Donc bien entendu, on peut faire x plus y égale à 8. Donc on divise par 3. Ici, on a 4x plus y égale à 23. Donc y égale à 8 moins x. Donc 4x plus 8 moins x est égal à 23. Donc ce qui donne 3x égale à 23 moins 8, 15. X égale à 5, y égale à 3. Donc ici on a x égale à 5, y égale à 3. Le carré, donc ici nous avons 15. 5 fois 3, 15. Fois 3 moins 15, 8. 2 carrés va valoir 8, donc 1 carré va valoir 4. Donc 1 carré vaut 4, donc ici 24 moins 4, 20, divisé par 2, 10. Donc 10 moins 4, 6. Donc 3 triangles, 2 triangles va valoir 6, donc 1 triangle va valoir 3, donc c'est bon. Et ici,
4 fois 2, 8. Donc un losange va valoir 1. Voilà pour le puzzle 148. Puzzle 149, donc là on va équilibrer les deux balances, 47 et 47. Donc on va noter x la valeur du cercle et y la valeur du carré. On sait que donc 4x plus y égale à donc 1, 2, 3, 47 moins 3, 44. Et ici on sait que 3x plus 2y est égal à 47 moins 4, 43. Donc y égale à 44 moins 4x. Donc 3x plus 2 fois 44 moins 4x est égal à 43. Ce qui nous donne 3x moins 8x plus 88 égale à 43. 3x moins 8x moins 5x. 43 moins 48 moins 45. Donc x est égal à 9. X égale à 9 et y. Donc 4 fois 9, 36. 44 moins 36, 8. Donc y égale à 8. Donc x égale à 9 et le carré va valoir 8. Bien, dernier puzzle, puzzle 150. Donc on a 48, donc on va équilibrer d'abord les balances. Deux ronds valent 6, donc un rond va valoir 3. Ensuite, on va s'occuper de ce plateau-là et ce plateau-là. On sait que x, donc un carré x, y, z, donc valeur de x, valeur de x est égal à la valeur du carré, y est égal à la valeur du losange et z la valeur du triangle. Donc on sait que x est égal à 2y plus x est égal à 2y plus z. On sait que donc 2x est égal à 4y plus 2z. Donc 4y plus 2z plus 2y, donc 6y plus z, donc 6y plus 3z est égal à 24. Et aussi, donc y plus z égale à 6. Donc 6y plus 3z égale à 24, on divise par 3, donc 2y. Donc 2y plus z égale à 8. Y plus z égale à 6. Y plus z égale à 6. Y égale 6 moins y égale à 6 moins z. Donc 2, 6 moins z. Donc 6 fois 2, 12, moins 2z, donc 12 moins 2z plus z égale à 8, moins z égale à 8 moins 12, moins 4, donc z égale à 4. Z égale à 4, et donc comme x plus y est égal à, y plus z égale à 6, y va valoir 2. X est égal à 2 fois 2, 4, plus 4, 8. Donc un carré va valoir 8. Ici, donc, on sait qu'un losange c'est 2, donc 10. Donc ici, on a 5 et 5. Un rond c'est 3, un losange c'est 2, et donc la goutte c'est 5. Bien voilà, la fin de l'épisode 3 de Solve Mobile. Nous avons résolu des problèmes 141 à 150 du niveau master. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.